Alyosha Schneider et sa compagne Charlotte Cardin vivent une belle histoire d'amour. Ce vendredi 7 juin, l'interprète du titre Ensemble et la chanteuse québécoise ont passé la journée en amoureux à Roland-Garros. Ils ont profité d'un grand soleil pour prendre place dans les tribunes du cours Philippe Châtrier. Arborant des lunettes de soleil, ils ont assisté au match que l'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté contre l'Italien Yannick Sinner. L'acteur devenu chanteur a posé seul sous l'œil des photographes au village Roland-Garros avant de rejoindre le cours central. Le beau-frère de Virginie Efira avait déjà assisté à un match de tennis dimanche 2 juin. Alyosha Schneider et Charlotte Cardin n'ont pas arrêté de partager des sourires et des gestes tendres d'affection dans les tribunes. Les tourtereaux se tenaient par la main et ont échangé plusieurs baisers tout en suivant le match. Pour ce duel, les célébrités étaient au rendez-vous. Et pour cause, juste derrière eux se trouvaient les humoristes Laura Felpin et Paul Mirabel et à quelques mètres, Vianney et son épouse Catherine Robert ainsi que Thomas Hollande et sa femme Émilie Broussoulou. Roland Garros 2024, tous les couples complices repérés en tribune et qui a Alyosha, le frère de Nils Schneider dans la famille Schneider, il y a d'abord Nils, 37 ans en juin, en couple avec l'actrice Virginie Efira, et puis son petit frère Alyosha, 30 ans. Après Nils, dont la carrière au cinéma, Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, Sibyl, la femme de mon frère, a été récompensée par le César du meilleur espoir masculin en 2017 pour son rôle dans Diamant Noir, son frère, Alyosha Schneider, a suivi ses traces. Il a joué dans la série Germinal, diffusée sur France 2, adaptée du célèbre roman d'Émile Zola. Une super production au service d'une fresque historique et sociale, dans laquelle l'acteur franco-québécois se glisse dans le costume de Paul Négrel, ingénieur des mines. Vu dans la série Netflix Vampire en 2020, Alyosha Schneider a débuté sa carrière de comédien à l'âge de 15 ans sur les plateaux de tournage canadiens. Depuis quelques mois, il écrit et interprète des chansons françaises comme son titre Ensemble. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Jacovid Moreau.